Monsieur le Président, le 29 mars, la Dr Nadine Laurent, directrice des services professionnels au CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal, reçoit un texto, c'est trois lettres, SOS. Cet appel à l'aide, c'est celui du Dr Herman, qui est déjà au CHSLD Herman, alors qu'on vient de lui dire que le personnel a déserté. Sans aucune hésitation, le Dr Laurent débarque au CHSLD pour prêter main forte. La situation est tellement grave là, qu'elle appelle son mari et ses trois enfants de 13, 15 et 17 ans pour venir en renfort. Ils ont donné à manger aux résidents, ils leur ont donné à boire. Ce soir-là, le Dr Laurent prend le téléphone et appelle Québec et dit « Je suis ici, il n'y a personne, je suis seule, je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'ils ont bu ». La sous-ministre adjointe se souvient de cet appel. Elle dira même que c'était plus que clair. Monsieur le Président, là, ce qui est toujours pas clair, c'est ce qui est arrivé après. Au gouvernement de la CAQ, à ce moment-là, qui a fait quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Et encore là, on ne sait toujours pas.